Salut les amis, c'est Kendar et ça y est, on se retrouve aujourd'hui pour le numéro 78. Le numéro 78, ben, ça va être un peu comme le 77, hein, c'est le phare droit qui est ici. Donc voilà, on va le monter. Alors je sais pas si après on va installer le système pour que le phare se lève. Si on l'installe pas, vraiment ça va être un numéro identique à la semaine dernière. Bon bah ben, allez, c'est parti. Allez, donc c'est le phare droit, voilà, bon, ça on se doutait, hein. Donc je vais peut-être passer un peu plus rapidement sur les étapes parce que c'est exactement les mêmes que la semaine dernière. Donc il faut insérer le feu à LED de l'extrémité la plus longue du câble dans le trou situé à l'arrière. Alors on doit avoir voilà, deux câbles plus longs. Alors j'ouvre le capot. Alors c'est le câble M, le petit et le plus grand câble M. Donc là j'ai le petit. Alors là j'en ai un et c'est pas celui-là. Alors, je vais essayer de tous les prendre. Là, j'en ai un. Ici, voilà, le câble M. Voilà, avec la petite lumière qui est ici. Voilà, on voit le câble M. Voilà, donc c'est cette lumière-là que l'on insère dans le phare. Voilà. Alors après, selon ce que l'on voit là, alors je vais essayer plutôt de le mettre, de tourner, est-ce que je peux, pas trop, il bon. Faut essayer de l'écraser, il faut que ça reparte un peu vers le bas. Ensuite, on retourne le phare comme ça, on met le cache-phare avec halogène écrit à l'endroit, donc là il est à l'envers, donc là, on voit pas bien, mais si on voit un petit peu que c'est halogène. Voilà, donc ça, ça se met, ça s'insère, tout simplement. Après, on le retourne. On prend la partie carrosserie. On met le phare dedans. Voilà, il y a deux vis à mettre, deux vis OP. Voilà, les vis sont mises. Ça c'est bon. Ensuite, on le remet dans ce sens. On prend cette partie en métal. Alors là, j'essaye de regarder le sens exact. Voilà, ça se met comme ça. On la prend comme ça. Et on la met. Alors il faut que le câble, voilà, il aille plus par là. Voilà, on met ça comme ça. Et on visse deux vis TM de chaque côté, une là et une là. Donc ça y est. Alors voilà, j'ai vraiment pas beaucoup vissé. Hein. Enfin, j'ai vissé et après je redesserre jusqu'à temps que je trouve que ça bouge. On me dit vraiment de laisser ça mobile. Alors ensuite, on doit retourner le cadre pour fixer le phare à l'intérieur. Donc du coup, il va falloir encore une fois que j'enlève cette partie là. Bon voilà, j'ai mis la carrosserie ici, donc ça, pas très compliqué non plus. Hein. Voilà, on met ça ici. On ne peut pas se tromper parce qu'il y a vraiment un endroit creusé pour mettre cette pièce-là. Et voilà, et on fixe ça avec deux vis AM. Voilà, ça y est, c'est vissé. Il ne reste plus maintenant qu'à mettre le petit attache-câble ici. Donc bien mettre le câble, on voit qu'ici il y a une petite rainure pour que le câble aille à l'intérieur, mais de toute façon le câble il n'est pas vraiment fixé avec cette attache. Donc on met l'attache et on la fixe avec deux vis LM. Et voilà, ça y est. C'est fixé et vous voyez que vraiment voilà, ça maintient juste le passage du câble, mais voilà, c'est pas fixé. Donc après, est-ce qu'il faudra bien que je l'applique?
par là. Je sais pas si ça va gêner. Bon, maintenant, on va voir si c'est fini pour cette semaine ou pas. J'enlève la carrosserie. Je sais pas trop comment je vais la prendre. Je vais l'enlever. Pour terminer, retournez l'ensemble du châssis carrosserie et vérifiez que le phare peut être levé et rabattu sans difficulté. Et voici à quoi ressemble le phare droit une fois monté sur l'avant du cadre du compartiment moteur. Et bien non, voilà. Donc c'était vraiment un numéro identique à la semaine dernière. Donc c'est pour ça aujourd'hui, c'est un numéro assez rapide du 78. Alors voilà ce que ça donne une fois mis sur la voiture. Voilà. Donc il faut bien vérifier. Voilà. Mais même moi, il n'y a pas de souci pour l'instant. Ça tient bien. Bon, ben voilà. Bon, j'ai quand même hâte de fixer le pare-choc. Ça va être un truc dans ce genre-là. Parce que là, vraiment, ça ressemble vraiment à kit. Hein. C'est la petite finition de kit. Pour l'instant, voilà, elle a un avant un peu chelou. Bon, ben voilà. Ben, c'est fini pour cette semaine, malheureusement. J'aurais bien voulu monter un peu plus. Et c'est pas grave, on fera la semaine prochaine pour 79. Alors qu'est-ce qu'on a avant 79? Alors, déjà on a une petite roue mécanique, on a un espèce d'arbre. Donc ça je pense que ça est assez vraiment le système pour faire lever les phares. Bon ben on verra ça la semaine prochaine. Voilà, merci de m'avoir suivi et passez une bonne semaine. Et on se retrouve la semaine prochaine pour 79. Allez, salut.